Salut, c'est Arnaud Baptiste. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma merveilleuse recette de tempora de rognon d'agneau et sa mayonnaise à la diable. C'est ici que ça se passe. On va commencer par nettoyer et dégraisser les rognons. On les coupe en 3 ou 4 morceaux selon leur taille et on les fait revenir dans une poêle avec du beurre aller-retour rapide. On réalise ensuite une persillade avec de l'ail, de l'huile d'olive, du persil haché, dans laquelle on fait mariner les rognons une quinzaine de minutes. On passe à la mayonnaise à la diable. Pour ça, on monte une mayonnaise classique à laquelle on vient ajouter du piment d'Espelette, des cornichons qu'on aura taillés finement, le jus de tomate, le vin blanc et la ciboulette ciselée. On assaisonne et on réserve au frais. Pour la pâte à tempura, on mélange un jaune d'œuf, de la farine et de l'eau pétillante. On pétrit le tout pour obtenir une pâte homogène assez liquide. On passe les rognons marinés dans la farine, puis dans la pâte à tempura. On les met à frire dans une huile de friture bien chaude jusqu'à ce qu'ils soient bien colorés. Et c'est parti pour un apéritif des plus originales entre amis.